Woo! Oh, mais qui c'est? C'est moi. C'est Maëlia? Oui. Mais dis donc, on te voit plus là, derrière tous ces pop-tarts. Comment ça va, Maëlia? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux petits copinous? Bonjour. Vous allez bien, les petits copinous? Oui. On espère que vous allez tous très très bien. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Maëlia? On va manger des... Pop-tarts. Alors, Maëlia, est-ce que tu connais les pop-tarts? Non. Non? Alors, les pop-tarts, ce sont des biscuits américains. Mmh. Donc, ceci est une vidéo dégustation américaine parce que vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé. Donc, on vous l'a fait enfin. Alors, qui tu voudrais inviter pour cette dégustation? Tati Ambre. Tati Ambre? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut la faire apparaître, Tati Ambre? Oui. Oui? Tu penses que j'ai un petit peu encore de magie pour faire apparaître Tati Ambre? Oui. D'accord. Alors, Maëlia, est-ce que tu peux m'aider à dire la formule magique pour oui. que Tati Ambre, elle arrive? Alors, je t'écoute. Abracadabra, Tati Ambre, viens ici! Salut Tati Ambre! Salut les copinos! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Tu es prête à te régaler? Oui, en plus on a 11 boîtes je crois. Et... Maëlia, est-ce que moi je peux venir pour faire la dégustation avec vous? Ouais! Et voilà! Je suis enfin là! Miam miam miam! On va se régaler les filles! Youhou! On a commandé donc ces biscuits sur le site My Little America. Et donc voilà, on espère que la vidéo vous plaira et on commence la dégustation. Il y a 11 boîtes. Alors Maëlia, tu veux commencer par quel goût? Celui-ci. C'est le goût au sundae. Donc il y a 4 petites sachets emballés. Et dedans, il y en a qu'un? Il y en a 2 à l'intérieur. Ça a l'air bon déjà. Ouais. Déjà, ça sent très bon. Alors, voilà comment celui-ci se présente. C'est très sucré. C'est pas salé? Non. Un peu. Ah bon, je trouve? Vu la photo, c'est un sundae à la vanille. Une glace à la vanille, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlia, celui-ci? Ça te plaît? D'accord. Donc, celui-ci, on valide? Ouais, je valide. Celui-ci. Alors celui-ci c'est le confetti cupcake. Celui-ci aussi va être vanillé je pense. Hein. Oui, moi j'aime toujours des cupcakes. T'adores les cupcakes? Oui. C'est bon avec des chocolats et de la menthe. Bien sûr. Oh il est trop mignon. Il est trop chaud, il est trop beau. Il est trop chaud, il est trop beau. Donc à l'intérieur c'est fourré à chaque fois. Ça fait un peu couleur arc-en-ciel. Ouais. Ça va, il est vanillé, il y a un petit peu de fraise on dirait. De au premier... début il y a un goût un peu bizarre et à force de mâcher ça va. C'est un goût de fraise je trouve. Ouais j'irais la fraise aussi. Celui-ci on sent bien le goût vanillé du gâteau alors que le premier c'était vanillé très sucré quoi. Ah oui Maëlia tu nous as pas dit, est-ce que t'as aimé? Oui. Alors celui-ci c'est à la framboise bleue. Waouh, waouh, waouh. Ah ça va être vraiment. J'ai hâte de découvrir... le goût que ça a. Ah, il est tout cassé celui-là. Ça sent bon. Hein. Ah oui, de rien. L'odeur déjà. Ça sent, hein? Ouais. Ça sent vraiment la framboise, mais. C'est bon? Ouais. Ouais. Il est trop bon. On peut dire que c'est le même goût que la framboise rose. Hein. Alors, Maëlia et Ambre ont craqué sur la framboise bleue. Je valide, lui. Hein. Le coup de cœur pour l'instant de Tati Ambre. Alors c'est parti Maëlia, on continue avec 4 boîtes. C'est un mélange de chamallow, on dirait, avec du chocolat. En fait c'est au goût Frosted S'mores. Donc je pense que c'est une sorte de friandise américaine que je ne connais pas. En fait maman regarde là. Oui. Là il avait que le truc qui veut. Ah on peut les faire chauffer en plus. Au... on peut les mettre au grille-pain ouais, ou au micro-ondes pour faire fondre en fait le chocolat et tout avec le chamallow. Ça chamallow. Peut être pas mal aussi. Hein. Le chamallow. Alors celui-ci il se présente comme ceci et c'est parti. Partito. C'est partito. Oh. Joli. Ouais. Ouais, on voit bien les chamallows qui sont à l'intérieur. Hein.
Moi, je dirais plus que ça sent le chocolat de mauvaise qualité. Le chocolat premier prix, vous savez. Ah, j'aime pas du tout. Non. Il y a un mélange de café. Un peu spéculoos, mais en pas bon. Spéculoos, moi, je trouve pas du tout. Hein. Il n'y a pas de la cannelle. Je trouve qu'il y a un peu de la cannelle. Sirop de cacao. Non, moi, j'ai pas aimé. Un pouce en bas pour celui-ci. Ça, j'ai aimé. T'as aimé? T'as aimé, toi? Comment t'es pas difficile, hein? Celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, enfin! Chocolat et beurre de cacahuète. C'est quelque chose qui est beaucoup mangé par les Américains, le beurre de cacahuète. Hein. Ils adorent ça. Et j'en ai jamais goûté, en moi aussi. Non, j'en ai jamais goûté. Et voilà, j'ai fait exprès d'en prendre au beurre de cacahuète pour enfin pouvoir le goûter. Mmh, ça sent bon, hein. Alors, il est comme ceci. Ah, mais oui, c'est comme dans les sundaes à McDo, ah, là. Ah ouais, c'est ça. Oh, ça a le goût cacahuète, quoi. Mmh. Enfin, ça sent les cacahuètes. Mais même en Martinique, on a des glaces à la cacahuète, mais c'est ça le goût. Ah oui, c'est vrai. Les floupes à la cacahuète. Mmh. Donc, il y a des glaces. Moi, j'aime pas. Tu l'aimes pas? Ah, Eliane n'a pas aimé le beurre de cacahuète, hein? Non. Je ne mangerai pas des masses, mais c'est bon. La fraise. Waouh, super. La fraise, la fraise. La fraise, la fille, la fille. Alors, comment elle se présente celle-ci? Oh. Ah, c'est joli. Ouais. Bon. Mais bon. Non. Il n'est pas fou. Il n'y a pas de goût de fraise. Il y a de la pâte sucrée avec un tout petit goût de fraise. Enfin, si vous aimez les gâteaux aromatisés à la fraise, celui-ci, pour trouver le goût de fraise, faut chercher hein, quand même. Hein. Au niveau du goût de la fraise, non, franchement. Je vais penser aux pailles d'or. Exactement. Mais aux pailles d'or, mais un peu moins fort. Voilà. Avec le goût un peu moins fort. Ouais, c'est ça. Bref. J'étais en train de chercher quel gâteau ça me rappelait, c'est ça, tout à fait. Donc non, zéro pour le goût fraise. Ouais, moyen. C'est trop bon. Toi, tu as aimé? Oui. D'accord. Il y a 1 et 2. Là, il y a 1 et 2 et 3. Ouais. Celui-ci. Ah, beurre de cacahuète. Encore beurre de cacahuète. Alors celui-ci c'est beurre de cacahuète tout court sans chocolat. Mais Yaz a pas aimé, je pense. Hein. Non, je veux pas. Non, mais c'est pas grave. Ça ne pas. Hein. Ça te fait goût pour toi. Je pense que ça va être le même style mais sans le chocolat en fait. Sans le glaçage au chocolat. Donc celui-ci il est comme ça. Je pense que ça va être pire. Tu penses? Mmh. Plus écœurant peut-être. Ah, mais il y a du sucre dessus. Est-ce que tu en veux? Non? T'as pas aimé le beurre de cacahuète? C'est vrai que c'est très sucré, hein? Ouais. Il est bof celui-là pour moi. Bof? Mm. Moi aussi sans plus. C'est pas un que je rachèterais par exemple, s'il fallait en racheter un. Moi c'est la framboise que je rachète. Je rachète la framboise? De suite. Alors il reste le cookie, il reste la myrtille, il reste les oreos et il reste quoi? Le sucre et cannelle. Sucre et cannelle? Sucre et cannelle. D'accord. Alors là, on va voir. Spéculoos. Je pense. On va voir ce que ça donne. Alors celui-ci est une espèce de glaçage beige. On sent bien la cannelle. Hein? Mm. En tout cas. Pour ceux qui aiment la cannelle, ça peut le faire. Hein. Non, il est bon, ça va. Ah, ça me suffit. Ouais. Mais là, tu te régales avec la fraise. Elle a vraiment aimé la fraise. Oui. Alors, c'est parti, les trois derniers Pop-Tarts. Ah, enfin. Depuis que j'ai envie de le goûter, celui-ci. C'est celui aux Oreos. Aux Oreos. Je suis sûre qu'il va être bon. Si. Tu veux pas goûter? Je veux pas en manger. Ça sent les Oreos, déjà. Oui, ça a le goût aux Oreos. Ça va, c'est bon. Si vous aimez les Oreos, il n'y a pas de souci.
Celui-là, il est bon. Goût Oreo, c'est bon. On termine par les deux derniers. Alors, il y a soit cookie, soit myrtille. Oui, alors, on va continuer avec la myrtille. Ça va, Poupée? Aussi, aussi pour le chauffer. Oui, on essayera de le chauffer un jour. Mais là, manger tout ça, ça fait trop. Hein. Même on mange des petits bouts, mais... C'est trop beau. C'est plein de couleurs. De l'arc-en-ciel. De l'arc-en-ciel. Tu veux goûter celui-là? Oui. Il va être pas mal, celui-là, je pense. Myrtille bizarre. Myrtille trafiquée. Myrtille chimique. Il y en a qui n'aimaient pas quand je disais chimique là dans ma... Ouais, mais il y a une vidéo, t'as fait que dire chimique. Ah mais c'était chimique, tu voulais que je dise quoi? Parfait. Alors ça, c'est un goût de myrtille chimique. Je confirme. Bon, la myrtille, non. Pas... Je suis pas satisfaite de la myrtille. Non plus. Très déçue. J'attendais beaucoup de la myrtille. Remboursée. Alors pour le dernier, c'est goût cookies. Plus ça va et tu sens le sucre en fait. On sent qu'on a abusé de sucre là en fait. Maïa, en tout cas, ça y va. Il paraît que le sucre ça excite les enfants, on va voir. Ouais, rien qu'à la voir. Elle est à fond, là. Ouais, depuis tout à l'heure, elle est on dirait ouais, hyperactive. Comme ça et tout. Est-ce que le sucre excite vraiment les enfants? Vous avez la réponse en direct. Hein, c'est vrai que depuis un moment, elle fait que bouger. Alors, celui aux cookies, il se présente comme ceci. Et c'est parti. Maïa, après, t'arrêtes un petit peu quand même. Hein. Il y a du coup dedans. Ouais, il y a du cookies dedans, on dirait. Tu veux, il est parfumé. Sinon, je le garde. Ah, c'est des pépites, genre. Ouais, c'est style un cookies. Ah, okay. Tu veux goûter, mon cœur? Il sent bon, en tout cas. Il sent bon. Mais en pas de bouche, voilà. En bouche, ben. Maman, j'ai mal de déchirer. Il y a derrière goût. Donc au niveau du goût cookies, franchement non, je trouve pas. J'aime pas. C'est un goût de spéculoos. Puis voilà, trop sucré. Ouais. Donc cookies, ça va pas, ça passe pas. C'est comme ça, maman. C'est comme ça. Ouh. J'ai vraiment aimé. T'as vraiment aimé, toi? Maïa, elle fait que manger la fraise depuis tout à l'heure. Donc voilà, on en a enfin fini pour cette dégustation de Pop Tarts. Quel a été ton préféré, Maëlia? C'était la fraise. C'était la fraise, ça je m'en doutais. Donc la fraise pour Maëlia. Super, chef, cadeau. Bon carton. Alors, Tati Ambre. Moi, c'est la framboise. La framboise bleue. Oui, cadeau. Et moi, alors qu'est-ce qu'il y avait? J'aimais bien la vanille là. Le cupcake là. Ouais, qui avait le goût du gâteau. Alors moi, on va dire que c'est le cupcake, voilà, qui a un goût de gâteau vanillé. Et j'aime bien aussi le beurre de cacahuète au chocolat. Moi, j'ai aimé. Tu as aimé, toi? Alors qu'est-ce qu'on dit aux petits copines, nous, Maïa? Au revoir les amours, on espère que la vidéo vous a plu, et si ça vous a plu, laissez-nous des pouces marrons, des pouces blanches. Pouces marrons, pouces blanches. Waouh, 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 wow. Multicolore. Multicolore. J'arrive plus à parler. Multicolore. Oui. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait super plaisir et ça nous... Ça encourage. On vous fait de gros bisous. Et on vous fait de gros câlins.